Il y avait du monde mardi soir à l'espace culturel de Romba pour le vernissage de l'exposition Portrait de femmes proposée jusqu'au 24 mars dans le cadre de la manifestation Femmes à l'honneur. L'occasion pour les trois artistes, Paola Hochlander, Catherine Mancini et Isolina Rigucci, de rencontrer leur public, d'échanger et de partager leur passion commune, la peinture. Et ça s'ouvre de la façon suivante, j'ouvre les guillemets, cher homme de demain, tu seras le meilleur des hommes, celui qui s'engage pour l'égalité. Bacta Kraouch, adjointe à la culture et à la communication, a tenu à remercier les trois artistes pour la qualité de cette exposition et a rappelé en même temps l'importance de cette journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. C'est en 1977 que les Nations Unies vont officialiser la journée internationale de la femme en invitant chaque pays à consacrer une journée aux droits des femmes et à la paix internationale. On vous rappelle les autres temps forts organisés dans le cadre de cette manifestation Femmes à l'honneur à Romba, une exposition intitulée Tous les métiers sont mixtes proposée par l'association Femmes ici et ailleurs jusqu'au 31 mars à l'Hôtel de Ville, la pièce de théâtre La Perruche ce samedi 12 mars à 20h30 à la Maison de l'Enfance, et enfin la traditionnelle marche symbolique pour l'égalité femmes-hommes ce dimanche 13 mars. Rendez-vous à 9h à l'espace culturel.